remarqué qu'il y avait un cheval là qui était couché là. Ça fait deux jours qu'il était couché là. Fait qu'on a, la troisième journée, on l'a ramassé. Et ma femme, on l'a ramassé, on l'a descendu en bas, on s'en occupait. Fait qu'on l'a emmené ici. Puis là, les enfants ont vu ça, ben, ils s'en ont occupés d'autres aussi. Puis là, on a pris soin de la maison. Les enfants venaient s'appeler, qui se mettent tous les soirs, un couché avec, le lendemain c'était l'autre. Le lendemain c'était l'autre, il venait sa bouteille. Il était-tu mal en point? Oui, et que, là, la semaine d'après, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de parasites. Dessus. Fait que là, j'ai appelé un monsieur qui élevait des chevreuils à Saint-Anselme. Ouais. Puis je lui ai demandé ce qu'il y avait. Il dit, pour moi, il y a des parasites. Fait qu'il fallait que tu trouves quelqu'un pour lui donner du stuff. Tu donnerais du stuff pour lui mettre dessus. J'ai appelé un cultivateur que je connaissais. J'ai dit ça. Il dit, amène-moi une photo de lui. J'ai amené une photo. Puis il m'a dit ça. Il est bourré de parasites. Fait qu'il m'a donné du stuff. Puis là, je viens de mis. On y en a mis une reprise au début juillet. Là, j'y en ai mis. Puis j'y en ai mis trois reprises. Une fois par mois. Fait que j'y en ai mis au début juillet. Au début août, j'y en ai remis une shot. Puis là, ça n'avait pas encore amélioré. J'y en ai mis une autre shot au mois de septembre. Puis là, son poil a commencé à pousser tranquillement. Un bébé, là, vraiment. Oui, il était bébé, il y avait 15 jours quand ils vont le ramasser. Il n'y avait pas plus que ça. 15 okay. jours dans le tas. OK. Probablement que la mère a dû accoucher. La mère a dû accoucher ou elle l'a abandonné. Elle savait qu'il était mal en point. Il voulait pas manger rien. On a essayé de donner du lait à la bouteille, il voulait leur dire savoir. Alors là, il a pris du mieux, il a pris du poids et tout ça. Il a pris du mieux, il a pris du poids. Puis là il s'est bien grossi, puis là, les enfants s'en ont attachés. J'ai 12 petits-enfants. Oui. Je savais qu'on n'avait pas le droit de le garder, mais j'avais dit aux enfants, à un moment donné, il faudrait le porter quelque part. Fait que moi, j'ai dit au printemps, on ira le porter à la ferme à 5 étoiles. Printemps 2014. Oui, printemps 2014. J'ai dit, on ira le porter à la ferme 5 étoiles à Saint-Cœur. Des gens que vous connaissez? On avait déjà été là à Cabane à Sucre, puis le nom des bêtes. Ils ont le droit d'en garder des chevaux. OK. Les chevaux, ils ont une sorte de bêtes. On avait été le porte-là. Puis on n'a pas pu. Les gardes-chasse ont eu. Ça s'est su, les gardes-chasse ont eu. OK. Et c'est quand est-ce qu'ils sont venus vous rencontrer? Ils sont venus lundi, le lundi qu'on vient de passer. Tu vois, tu as trois pick-up ici dedans, gros. Puis il y avait 6 gardes-chasse. Ils ont rentré à la maison ici, ils ont donné le mandat à ma femme. Moi, j'étais dans le garage, avec beau le dire, j'étais dans le garage, ils n'ont même pas venu me voir. Ils ont veillé à court, puis ils sont en train de là, il y en a un qui est venu cogner à la porte du garage. J'ai demandé s'il voulait, il m'a dit ça, il veut un mandat. Il dit, ce qu'il est, il dit, je vais le donner à ta femme de maison. Il dit, t'as un chevreuil ici, il dit, t'as pas le droit de voir ça. Mais je sais que j'avais pas le droit, mais j'ai dit, je vais le dépoigner tout petit, je vais le soigner, je n'ai pas fait de mal. Il dit, en aucun cas, j'ai fait de mal. Fait que là, il dit, quand je suis sorti dehors, il y avait deux ou trois gardes-chasse en ordinaire à reclos, puis il posait. Il posait ce qu'il était. Puis, là, il dit, il est dans l'enclos à la porte fermée. J'ai dit, oui, il est dans l'enclos à la porte fermée. Puis là, il vient juste d'arriver. Il a passé la nuit dehors, puis là, il venait d'arriver, puis il est rentré dans l'enclos, il ferme la porte. Parce que mon voisin, c'est à côté des chiens. Quand les chiens viennent, il faisait peu, puis il y avait peu qu'il laisse tomber. C'est pour ça que je ferme la porte du clos quand il était là. Mais tu sais, ils ne sont pas informés d'ordinaire. Un cochon est embarqué, on s'en était avec le cochon, merci bonjour. Nous autres, pour avoir des informations, j'ai été voir au bureau pour savoir où est-ce qu'il allait le porter. Ils m'ont dit qu'il allait le porter à Saint-Falardeau, hein, à la ferme à Falardeau. C'est à quel endroit ça? Marc-Gagnon. OK. Il y a Saint-Gévin, ça, je pense. Dans le bout de Chicoutimi-Nord. D'après ce qu'ils m'ont dit, je n'avais pas le droit d'avoir ça, je n'avais pas le droit d'avoir ça à ma possession, puis je le tenais illégalement. Mais ça, vous étiez au courant de ça? Oui, j'étais au courant. Mais votre intention était, au printemps... D'aller le porter à la ferme à 5 étoiles. Et puis, c'est une amende à combien? Aucune idée. Je ne sais pas. Je suis occupé d'en avoir une, mais je ne sais pas le montant. D'abord, le garde-chasse maladie, si on ne s'en avait pas occupé, il serait mort. Il serait mort, c'était une mort certaine. La manière dont il était à Manchador, j'ai emmené des photos, j'ai montré des photos, il serait mort certain. Puis là, comme il était rendu là, je ne pouvais plus le lâcher en liberté. Là, il était trop privoisé. On l'a eu pendant 8 mois. Là, il était trop privoisé, je ne pouvais plus le lâcher. On nourrissait avec de la moulée à chevreuil, du blé d'Inde, puis ce qu'il y avait pendant ça, il y avait des pommes, des carottes. Il y avait tout ce qu'il fallait. D'abord, on a le droit d'avoir une bête blessée, puis de la soigner. Ça, on a le droit. On a le droit de faire ça, mais il faut que la tienne à l'état sauvage. Puis moi, avec les petits-enfants, je n'ai pas été capable de tenir l'état sauvage. J'ai 12 petits-enfants, fait que je n'ai pas été capable de tenir l'état sauvage. Là, j'étais rendu ce qu'il l'avait emmené là-bas. Puis moi, il a jamais couché dehors.
Mais non. Fait que là, les autres, ils l'ont emmené là-bas, puis là, on s'est informé là-bas, on a appelé là-bas. Puis là, ils couchaient dehors, puis il n'y a jamais eu de lait. Parce qu'ils ont été 4 jours sans être capables de l'approcher. Fait que, puis là, ça, on a rappelé, puis là, ils sont rien que bien fort pour l'approcher. Puis ils disent qu'il est encore timide. Puis ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 8 jours de ça. Ils sont rien que bien fort pour l'approcher. C'est-à-dire, il y a du monde qui maltraite des chiens, puis ils se font poursuivre. Moi, j'ai pogné un petit cheval avant de soigner. Puis là, on m'a envoyé un amant pour ça. Et les enfants l'avaient appelé Bambi. Mm-hmm. Les gardes de chasse ordinaires de ça, à cause qu'on l'avait appelé Bambi. Puis j'avais fait des démarches sur Internet. J'avais entendu dire qu'il y avait une madame qui avait eu un chevreuil, puis qui avait eu le droit de le garder. Fait qu'on a regardé sur Internet, on l'a trouvé. En quel endroit? En Colombie-Britannique. Ouais. Puis ça avait arrivé comme nous autres. Elle l'avait pogné tout petit, elle était malade. Ouais. Elle l'a élevé. Puis elle avait eu le droit de le garder. Parce qu'il est. Voyons. Un vétérinaire avait dit que s'il y a autant de cheveux, que ça pouvait être mortel pour lui. Parce qu'il n'avait pas connu autre chose qu'un jument. Fait qu'il ne pouvait pas le prendre pour le mettre avec d'autres cheveux. Puis le nôtre, c'est exactement ça aussi. Il n'a pas connu autre chose que des jumelles, non? Le cerf de Virginie ou l'orignal, c'est des animaux à déclaration obligatoire. Donc, oui, il existe des périodes de chasse à ces gibiers, mais aussi pour assurer la pérennité de la population. Donc, il y a des règlements qui interdisent la garde en captivité, à moins d'avoir le permis requis pour cette fin. Pour assurer un contrôle, un suivi des populations, c'est des animaux qui peuvent avoir des parasites, des maladies. Donc, une question d'hygiène, question de sécurité, question de conditions de vie pour l'animal aussi. Ça prend des lieux adéquats pour que l'animal soit bien, à l'abri. Ça prend la bonne nourriture aussi. Donc, ça prend des personnes qui connaissent les animaux comme tels. Et bien sûr, des soins vétérinaires lorsque requis. Les gens souvent vont s'approcher de l'animal puis vont le récupérer immédiatement à ne pas faire. Bien entendu, on peut déclarer l'animal, mais souvent les gens n'attendront pas. Des fois, par exemple, un orignal, bien, la mère va s'éloigner pendant une période. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a abandonné. À ce moment-là, lorsqu'on l'extrait de la forêt, là, vraiment, l'orignal devient un orphelin. Et bien entendu, doit aller dans un endroit qui va pouvoir être soigné. Ça est arrivé des cas là, qu'on a eu où intentionnellement, les gens vont chercher un animal, soit un ours ou autre. Donc, c'est d'avoir gardé un animal sans avoir le permis requis. C'est une garde en captivité illégale. Donc, on parle environ de 500 $. On parle de 500 $ l'amende minimale. Il existe des endroits qui soit des gens qui ont un permis de centre d'observation de la faune, ou bien de zoo. Donc, c'est à ces endroits-là qu'on va les offrir, à savoir s'ils veulent en prendre possession pour les soigner. Si l'animal peut être libéré, éventuellement, bon, les centres d'observation de la faune vont le libérer. Bien entendu, s'il n'y a pas de chance qu'il revienne à la nature et soit autonome, bien, ils vont le garder. Les animaux, globalement, en forêt, se débrouillent bien. Il y a des hivers parfois peut-être plus durs, il y en a moins difficiles aussi. On les laisse se nourrir par eux-mêmes là, de sources naturelles.